chers astronautes d'un jour, vous avez vécu aujourd'hui une expérience extraordinaire, je dirais même extraterrestre, parce que vous avez connu la vraie apesanteur. Vous avez connu aussi la gravité lunaire, la gravité martienne. Vous avez aussi ressenti ce que vivent les astronautes au décollage en fusée, même de façon plus forte, à 1,8 G. Vous avez été véritablement dans le corps d'astronaute en apesanteur comme en orbite terrestre. Nous sommes ravis de vous avoir accueilli, d'abord parce que vous vous êtes fait plaisir, on l'a vu sur vos visages avec le sourire jusqu'aux oreilles, donc c'était le bonheur pour vous, mais aussi le bonheur pour nous parce que vous devenez d'excellents ambassadeurs de l'activité astronautique et de la recherche en apesanteur que l'on effectue dans notre avion, qui est avant tout un laboratoire de recherche. Et sachez aussi qu'en achetant un billet pour voler à bord de nos vols de découverte, la marge nette, à peu près un tiers du coût de votre billet, sert à financer plus de recherches en apesanteur. C'est en quelque sorte votre financement privé qui contribue à financer la recherche publique. Et sachez aussi que sur notre propre initiative à Novespace, nous compensons nos gaz à effet de serre par une contribution financière au GERES, une organisation qui œuvre sur des projets de protection de l'environnement, notamment en Afrique. Encore une fois, vous avez été d'excellents astronautes d'un jour qui se sont très bien comportés tout en s'amusant comme des enfants et ça nous a fait très plaisir. Et à très bientôt. We go in weightlessness, so you experience the Mars gravity, the Moon gravity, but you will see now that this is freedom. That gravity is actually a constraint, you have to live with it, but now you will be free. You will discover a new world, you will remember this forever. Freedom at last. Here we go. Yes.
perdu complètement l'essence de l'orientation. J'ai perdu complètement l'essence de moi-même. Je suis sorti de moi-même. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ce qui est incroyable, c'est quand on ne touche rien et que il y a que nous, en fait, il n'y a que le corps. Et on est vraiment focalisé sur ses sensations internes déjà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, le fait d'être au plafond, en bas, d'avoir un toute petite impulsion et de pouvoir aller vite, c'est très déroutant. This was incredible. You're floating, but you're not. You're upside down, but you've got no idea where you are. It's the best. It's better than 1G. If I could live in 0G, I would. Eh bien, extraordinaire, voilà, quand on voit ça, on a juste envie de pousser sur ses jambes et de se mettre tout de suite sur le côté, à l'envers. Et une expérience, une ambiance extraordinaire. Un professionnalisme, il faut savoir que c'est quelque chose qui est unique au monde en termes de précision de pilotage. Et moi qui suis fan de pilotage, je peux mesurer toute cette précision. Et voilà, et surtout, je suis venu avec Jordan. On a passé un super moment. Jordan, c'est le premier garçon ou fille de tout confondu, trisomique, à faire du vol 0G. Et ça permet de montrer que tout est possible dans la vie. Et Jordan l'a montré aujourd'hui avec brio. Ça ne change rien du tout. Ça change rien. Ça change et toi, rien. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Dans tout. J'aime tout, j'aime tout. T'as pas eu peur? J'ai pas eu peur. Merci encore. À refaire.